السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي الكرام، أعزائي الكريمات، فيديو جديد على قناتكم تربويات مع الأستاذ محمد البخاري. في هذا الفيديو إن شاء الله غادي ندير معكم التتمة ديال الفروض مراقبة المستمرة المرحلة الثانية المستوى السادس ابتدائي. مرحبا بكل متتبع جديد على نظام القناة ديالي، أرحب بك وأدعوك للاشتراك وتفعيل زر الجرس باش يبقى يوصلك جميع الفيديوهات اللي كنقدم، ومرحبا بك. إذا على بركة الله اليوم غادي نديرو لاكتيفيتي دو لورتوغراف. عندي هنايا 4 كاستيون سون تخي فاسيل. دونك لا بخومي question, classe les mots dans le tableau. Regardez, classez ou les mots les indi hna ya fain fhad le tableau had. Ça fait le tableau chno fait accent aigu, accent grave, accent circonflexe. Donc hdarna ala les accents. L'accent aigu, yeli ktkoun haka. L'accent grave, yeli ktkoun haka. L'accent circonflexe, c'est comme un chapeau, comme ça. C'est bien. Donc d'abord un miso. Élastique. Wesh, accent aigu, l'accent grave ou l'accent circonflexe. Andha accent aigu, la e head. Donc élastique, on écrit bien. Élastique. Aïe, mchès. Ndouzou, l'ancêtre. Naya, on dit l'accent circonflexe sur e. Donc on écrit circonflexe. Ancêtre. Comme ça. Aïe, mchès, l'IA. D'abord, fidèle. Fidèle, on dit l'accent naya sur e. Accent grave. Fidèle, comme ça. Je t'ai dit. Règle. Andy, obtenu l'accent grave sur E ici. Donc, règle, comme ça. Règle. D'accord? C'est bien. Ici, écrire. Andy, l'accent aigu sur E. Donc, un petit peu aigu. Écrire. Donc, c'est facile, là-dessus. Début. Regardez. Début, Adna, l'accent aigu ici. Donc, un petit peu, début. Donc, élastique, écrire, début, ce sont des mots contenant l'accent aigu. Fidèle et règle, l'accent grave. Et ancêtre, accent circonflexe. Ça va? Passons à la deuxième question. Suivez avec moi. Relie le sujet au groupe verbal correspond. Je vais dire, je vais dire, le sujet, les wolf fail, mais le groupe verbal. Ça va? Donc, on a dit tu, l'école, vous, les éco-citoyens. On dit « avez recyclé vos déchets »,« a organisé une journée de la citoyenneté »,« a trié des déchets »,« pratique des éco-gestes ». Nous savons que les pronoms sont les mêmes. Donc l'école, c'est elle, féminin. Les éco-citoyens, c'est « il » du pluriel. « Tu », un chauffe-eau. « Avez recyclé »,« a organisé », « a trié », bien « pratique ». Donc « a trié », le verbe « trier » conjugué, il faut le passé composé, mais mais l'auxiliaire avoir, tu y as. Hey. Tu y as trié. Ça fait, tu y as trié des déchets. L'école, ou bien elle, elle a organisé une journée de la citoyenneté. Donc, elle a organisé. Ça fait, elle a organisé, ou bien l'école a organisé une journée de la citoyenneté. Vous, vous avez recyclé. Le verbe recycler, fait m'sarraf, m'sarraf, le passé composé, mais l'auxiliaire avoir. Vous avez recyclé vos déchets. Les éco-citoyens, ici, pratiquent des éco-gestes. Pratiquent quoi? Ils pratiquent des éco-gestes. Les éco-citoyens pratiquent des éco-gestes. Question 3, suivez. Barre l'intrus. Machi barre l'intrus. Donc, rapatlinaya, écrit. Écrit correctement. Écrit correctement. Le participe passé. Le participe passé a dit que tu as 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 dit que donc écrit correctement le participe passé a dit que tu as dit que les membres de cette association ce sont le verbe rassembler dans une grande salle. Le verbe rassembler, c'est un verbe conjugué, fait, le passé composé, mais l'auxiliaire être avant. Sont, mais l'auxiliaire être. Donc, rassembler, c'est un verbe du premier groupe, rassembler. Humble, comme ça. طبيعه الحال اي فيرب دو بروميي جروب لو بارتيسيپ باسي ديالو كيتسلب اكسون عاد كنشوفوا واش كيت كونجوغا مع لوكسيليير اتر ولا لوكسيليير افوار الا كانت كيت كونجوغا مع لوكسيليير افوار ما كنزيد له والو الا كان كيت كونجوغا مع لوكسيليير اتر خصني نشوف شنو غادي نزيد له دونك هنايا les membres de cette association يعني الاعضاء ديال هذه الجمعيه اعضاء ديال هذه الجمعيه كيلعبوا الدور ديال ال هذه لان الاعضاء ما عرفناش واش هما فيمينا ولا ماسكولين دونك دائما المذكر كيغلب المؤنث وبالتالي غادي نزيد هنايا غادي نزيد سي بلوريال دكور غنزيد اس دونك لي مومبر دو سيت اسوسياسيون
se sont rassemblés dans une grande salle. Ça fait dans une grande salle. Donc, on a le participe passé, je nous donne le accordé, yani, tabakna, mais le sujet. Donc, l'accord, l'accord du participe passé, passé. L'accord dit le participe passé. Hitesh, le participe passé, les quêtes conjugales à l'auxiliaire être s'accordent en genre et en nombre. Yani, f'tedkir ou t'enit, ou f'ljem ou l'mufrad, ma le sujet, ma l'fer. Question 4 maintenant, et la dernière question, entoure le participe passé convenable. Adindouar, elle a le participe passé, l'mounasib. Les écoliers ont trié ou bien trié des déchets. On a les écoliers, c'est il du pluriel. On a le verbe trier conjugué ma'ayesh, ma l'auxiliaire avoir. On a contre l'koumkoubaylati, le verbe l'ekit sarraf ma l'auxiliaire avoir, le participe passé dialou ma kit akordesh ma le sujet. Yanni ma razidoulou la es la e. Trier, fil aslara kanaka trier. Yak? Le verbe du premier groupe. Razoul le r under accent. Donc j'ai obsahé ou trier. Donc les écoliers ont trié les déchets. La phrase B, Samira rédigé ou bien rédigé. Samira a rédigé ou bien rédigé un article sur le gaspillage alimentaire. Donc le verbe rédiger, c'est un verbe du premier groupe. Kanhaka rédigé. Ça fait rédigé. Donc kanhaydaya. Ranzoulou le R, on donne l'accent. Donc a rédigé, c'est Hitesh, had le verbe qui est conjugué à l'auxiliaire avoir, ou les verbes qui sont à l'auxiliaire avoir, le participe passé dialogue, ma quitte accordage, en genre et en nombre avec le sujet. C'est les écoliers sont venus, ou bienvenus, pour célébrer la journée mondiale des droits de l'enfant. Et naïa venu, ou bienvenu, l'asl dialogue, c'est le verbe venir. Yak, verbe venir, c'est un verbe du troisième groupe. Ou quand on a fait, on a fait l'auxiliaire être, ou le participe passé dialogue, ou est venu. Ça fait, ou est participe passé dialogue. Anchofou, les écoliers, c'est il du pluriel. Ou naya, on a les participes passés, les quittes sarfo, l'auxiliaire être, quitte accorda. Donc naya, le participe passé, c'est les id le s. Donc finalement, les id le s, ou est venu. Ok. La phrase D, Samira et Rachida sont allés. Dans une région rurale pour participer aux ateliers solidaires. Donc Samira et Rachida, c'est le pluriel. Voilà qui pluriel féminin. Pluriel féminin, on a le verbe aller conjugué avec l'auxiliaire être, donc le participe passé, suite accorda. Participe passé, au kharadit sala, be accent, nanzi de e, hit féminin, nanzi de s, hit pluriel, hit l'jem. Donc finalement, le job, ça fait, allez. Ça fait. Donc Samira et Rachida sont allés dans une région rurale pour participer aux ateliers solidaires. Ou bien d'abord, on commence la vidéo d'aujourd'hui. Les cas qui concernent l'activité de l'orthographe, فرض من فروض مراقبة مستمرة المرحلة الثانية المستوى الدراسي السادس ابتدائي. كنتمنى أنكم تكونوا فهمتوا معايا في هذا الفيديو إن شاء الله. كان معكم أستاذ محمد البخاري والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.